Salut à tous, c'est Romain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16. On va se retrouver pas avec la même équipe parce que toute l'équipe est en repos. Cavani, Di Maria, tout ça au repos. Nous allons mettre l'équipe de France avec le en place 4-2-3-1 avec dans les buts Hugo Lloris, Kurzawa, Koscielny, Varane, Sagna en défense, Matuidi, Kanté en milieu de terrain, Griezmann, Mathieu Valbuena, Dimitri Payet et Olivier Giroud en pointe de l'attaque. Pour affronter le Manchester United de Wayne Rooney, ça va être difficile, hein, bien sûr, comme je le dis souvent. Wayne Rooney va mettre de l'intensité. Faudra faire attention aussi à Memphis Depay qui sera là aussi. Memphis Depay, il y aura Juan Mata, l'Espagnol sera très très difficile en attaque. En défense, il y aura Smalling. Mais il n'y aura pas Paul Pogba parce que Paul Pogba est dans ce jeu, dans FIFA 16, il est encore à la Juventus de Turin, voilà. Encore à la Juventus de Turin. D'ailleurs, j'avais affronté la Juventus de Turin, j'avais fait que un but partout. Après avoir battu le PSG 1-0 sur un but de Matuidi magnifique du pied gauche de très loin. C'est loin quand même, mais c'est un beau but de la part de Matuidi contre le PSG. Allez, le match va commencer. Allez, c'est parti. Coup d'envoi donné par Wayne Rooney et le numéro 21 de Manchester United. Memphis Depay, je vais vous parler de ce joueur. Ander Herrera, voilà le numéro 21. Ander Herrera. Kurzawa, il pousse le ballon. Attention à Wayne Rooney. Rooney, attention Wayne Rooney. Oh, attention la frappe! Oh, ça passe à côté, la frappe de Juan Mata. Déjà une grosse occasion pour Manchester United, l'Espagnol Juan Mata qui a failli ouvrir le score. Quelle occasion! Parce que là, c'était une balle de 1-0. Attention ce ballon! Koscielny à la lutte! Oh là, Koscielny, il n'arrive pas à dégager le ballon. Juan Mata face à Raphaël Varane et faute de Raphaël Varane sur Juan Mata. Avec carton jaune pour Raphaël Varane. Attention à Wayne Rooney. Il frappe très bien les ballons, lui. Très bien les coups francs. Là, cette fois-ci, il a pas très bien tiré. Il a mis bien au-dessus Wayne Rooney. Ah, il perd le ballon. Fallait donner à Matuidi. Attention. Ça peut être dangereux. Schneiderlin. Le français Schneiderlin face à Laurent Koscielny. Koscielny qui va aller à la lutte de Schweinsteiger. Et la récupération parfaite de Kanté. De Kanté avec Griezmann. Dimitri Payet. Dimitri Payet, il va avancer. Toujours Dimitri Payet. Dimitri. Dimitri. Toujours Dimitri avec Antoine Griezmann cette fois-ci. Griezmann. Oh, il élimine Daily Blind, le Hollandais. La passe pour Olivier Giroud. Olivier Giroud, ah, j'aurais dû frapper du premier coup, une touche de balle. Malheureusement, ça a été récupéré. Raphaël Varane à la lutte. Il récupère le ballon. Matuidi vient récupérer le ballon. Avec Dimitri Payet. Le tacle de Matuidi, c'était le tacle dans le vide. Attention, Raphaël Varane. Raphaël Varane, il s'est fait effacer par Ander Herrera. L'Espagnol, attention. Ander Herrera, il va passer à Wayne Rooney. Attention, Wayne Rooney. Le sauvetage et le penalty. Penalty pour Manchester United. Aïe, 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 aïe. 33e minute, Wayne Rooney qui va tirer le penalty. Oh, l'arrêt du Golioris! L'arrêt du Golioris! J'ai fermé les yeux, j'ai vu ça. Hugo Lloris est parti du bon côté et il l'a arrêté. C'est pour ça que j'ai pas réagi tout de suite. J'ai ouvert les yeux et Hugo Lloris l'arrête. Super arrêt, oh super arrêt, magnifique de la main. L'arrêt du Golioris! Bon, super, super Hugo Lloris.
Il est parti du bon côté, Hugo Lloris, c'est le meilleur gardien français pour moi. Bon, après, le meilleur gardien de FIFA 16 pour moi, c'est bon, Manuel Neuer et Buffon et De Gea, Courtois, pourquoi pas. Mais là, le meilleur joueur, meilleur gardien que j'ai testé, c'est Oblak. Mais il est au repos. Et attention, Wayne Rooney. Toujours Wayne Rooney. Wayne Rooney, toujours. Oh, aïe, 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 aïe. Oh non, le but d'Anderera alors que Hugo Lloris avait arrêté le penalty. Dommage. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, il aurait pu encore l'arrêter. Hugo Lloris aurait été beau de voir Hugo Lloris arrêter le penalty. La frappe d'Anderera là. Allez, Hugo Lloris, pas Hugo Lloris, Dimitri Payet. Payet, il perd le ballon, Payet. Il récupère directement. Ah oui, Dimitri Payet. Dimitri Payet, il est en bonne position. La frappe de Dimitri Payet! L'égalisation de Dimitri Payet! C'est le but! À la 45e minute, 5 minutes après, le but de Anderera. C'est Dimitri Payet, l'ancien joueur de West Ham, le joueur de l'Olympique de Marseille, qui vient égaliser la frappe à ras de terre. Je la voyais venir, il était en bonne position. Il fallait frapper, bien sûr. Il ne fallait pas faire de passe à Giroud ni Antoine Griezmann. La frappe à ras de terre qui vient tromper Romero, l'Argentin. Et non pas De Gea, parce que c'est pas De Gea dans le but, c'est Romero, l'Argentin. Le gardien de but de la sélection argentine. Le gardien de but numéro 1. Et ça fait un but partout entre Manchester United et l'équipe de France. Allez, Matuidi, il a récupéré la balle. Matuidi, Dimitri Payet demande le ballon. Matuidi toujours, il peut centrer le centre. Olivier Giroud, non, toujours pas. Avec Grisou. Aïe, 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 quel dommage, on aurait pu mener au score là. Allez, attention, Wayne Rooney, il faut qu'il siffle là, l'arbitre, c'est la fin de cette première mi-temps et c'est terminé. Dès qu'il récupère le ballon, il siffle. Comme par hasard. Mais ça fait un but partout. Serré entre ces deux équipes. Le but de Dimitri Payet qui a relancé l'équipe de France. Allez, Antoine Griezmann qui va servir Mathieu Valbuena du ballon piqué du pied droit. C'est bien joué, Mathieu Valbuena. Le petit Valbuena, il a réussi à à récupérer la balle. Valbuena toujours. Le centre de Mathieu Valbuena face à. Là, c'était Grisou face à Smalling. Récupération de Smalling. Attention, attention, Wayne Rooney. Rooney, attention, Rooney, ça peut être dangereux. Avec Candereira, oh, il y a un bon coup à jouer pour Manchester United. Attention, attention. Truc, machin, bidule, chouette. Anderera, mais récupération de Koscielny, c'était Varane qui avait récupéré, je pense, ou Kurzawa, je sais plus, enfin bref. Allez là, Bakary Sagna, faut qu'il fasse un appel là. Ah, mais il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de. Allez, oui, ça c'est bien joué. Mathieu Valbuena. Valbuena. Il va lancer en profondeur Bakary Sagna, c'est bien joué. Bakary Sagna, et ce sera encore non! Pas de corner, aïe aïe aïe, il a évité le corner. Oh oui, faut donner le ballon à Giroud. Olivier Giroud. Giroud. Oh l'arrêt de Romero sur cette frappe d'Olivier Giroud. Quelle occasion. Bakary Sagna, il a passé le ballon. Olivier Giroud du retourné. Pas facile de cadrer ce ballon. Mais Romero a arrêté le ballon. Allez, la corner. Pourquoi pas là-dessus, Olivier Giroud. Et oui, récupération de Koscielny. Qui va le donner à Raphaël Varane. Varane qui va le donner à Valbuena. Mathieu Valbuena. Valbuena, le centre de Mathieu Valbuena. La reprise de Dimitri Payet. Non, il était un peu trop loin. Dimitri Payet, même beaucoup trop loin. Kurzawa, il est sur le pied gauche. Kurzawa. Kurzawa. Non, 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 pas que ça, Kurzawa. Récupération peut-être de Kurzawa là-dessus, non. Aïe 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 aïe. On doit marquer là. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux dans la surface. Oh, Varane, super ce qu'a fait Raphaël Varane sans faire de faute. Heureusement qu'il n'a pas fait de faute parce qu'il a déjà un carton jaune.
Attention, Griezmann va le donner à Mathieu Valbuena, c'est bien joué. Valbuena toujours, ah, il va se faire reprendre le ballon, mais il va obtenir une touche, Mathieu Valbuena. Ah, il y a une autre chance à la 85e minute. Il faut aider là, Valbuena. Voilà, bien joué Bakary Sagna avec N'Golo Kanté. Olivier Giroud, pourquoi pas? Là-dessus, Olivier Giroud, mais non! Ah là là! Normalement, on doit la mettre au fond. Attention, attention, Wayne Rooney, il n'y a pas hors-jeu, hors-jeu de Wayne Rooney. Heureusement. Allez, là-dessus, pourquoi pas? Et touche pour l'équipe de France. Mathieu Valbuena. Avec Kanté, pourquoi pas. Allez, Griezmann. Grisou. Antoine Griezmann. La frappe de Griezmann. Oh, l'arrêt de Romero. Oh, aïe, 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 aïe. On aurait pu mener 2 buts 1, là. Ouais, c'est terminé la fin de ce match sur le score de 1 but partout. Bon bah j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sinon moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.